Chers amis des ondes, chers frères et sœurs, particulièrement les membres de la grande famille de Dieu, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Chers amis, nul n'est sans savoir qu'il existe au sein de l'Église adventiste du septième jour un département dénommé département des ministères de la famille. Mais beaucoup ignorent la mission, la vision et l'objectif de tel département au sein de l'Église adventiste. Ainsi, nous nous proposons de souligner à votre attention, au cours de la semaine de l'unité familiale, allant du 12 au 19 février 2022, la mission, la vision et les objectifs stratégiques du dit département. En effet, la mission ou l'objectif du département des ministères de la famille à l'Église adventiste du septième jour est de consolider les foyers, d'être une source d'inspiration pour ces derniers, d'amener la guérison aux couples mariés et aux familles, ce, à travers l'amour et la grâce salvatrice de Jésus-Christ. En ce qui concerne la vision du département des ministères de la famille, c'est de préparer les familles pour le royaume de Dieu en aidant à hâter le retour de Jésus. En outre, reconnaissant la force et le soutien mutuel que devrait représenter l'Église pour le foyer et le foyer pour l'Église, on juge nécessaire de faire de la mission une réalité. Pour ce faire, le département des ministères de la famille a adopté des stratégies, des objectifs stratégiques dont nous vous citons quelques-uns à savoir. 1. Former les parents et les familles de façon à augmenter les possibilités de réussir le transfert des valeurs morales des adventistes à la génération future. 2. Créer une expérience type famille de Dieu dans chaque église adventiste du septième jour. 3. Aider les membres à se fortifier spirituellement au sein de leur famille biologique et celle constituée par l'Église, les instruire de façon à communiquer d'autres familles non-adventistes le message de l'Église de Dieu. 4. Promouvoir le message réconfortant de l'Évangile éternel dans le contexte de la vie familiale, vu que Christ est et devrait être reconnu comme le Sauveur et le chef de chaque foyer. 5. Réaffirmer et consolider chaque famille adventiste en tant qu'unité principale au sein du corps des disciples, car le département des ministères de famille veut faire parvenir à une compréhension plus claire, plus profonde de la corrélation entre le fait d'être disciple et le fait de faire des disciples. 6. Permettre à la famille de donner un témoignage attrayant, car même si le foyer est considéré comme le champ de mission le plus important, le département des ministères de la famille se propose d'aider les familles à découvrir, à utiliser leurs dons spirituels dans la communauté qui les entoure et à soutenir par leurs prières, leurs offrandes et leurs actes de service les efforts missionnaires de l'Église. Ce sont là la vision, la mission et les principaux objectifs stratégiques du département des ministères de la famille au sein de l'Église adventiste du septième jour. Puisse le Seigneur nous aider à les atteindre pour l'avancement de son œuvre et le salut de tous. Amen. Tu rêves.
chaque jour à mes besoins. Grande fidélité, toi envers moi. Grande fidélité, grande fidélité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués internautes, sœurs et frères bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous voici une fois de plus chez vous pour continuer à vous livrer la première semaine de prière de famille pour l'année 2022. N'oubliez pas le thème « Vivre un amour qui porte des fruits ». Moi, je voulais croire qu'on était passé un bon moment avec nous, mais espérez tout. Que jusqu'à maintenant, bon Dieu, il faut grâce. Mais je crois que nous, chaque cas pour se voir émission, ça, nous avons un pile raison pour nous témoigner grandeur, bon Dieu. Nous avons un pile raison pour nous remercier, Seigneur, pour le miracle qu'il a accordé à nous chaque qui là, pour la faveur qu'il fait nous, pour la bénédiction que nous recevons de lui. C'est pour ça, mais t'as aimé inviter nous chaque, capitaine Dim, pour nous adorer, bon Dieu, pour nous remercier, pour nous louer, non, pour ça le fait pour nous déjà, et pour ça le fait pour nous dans le futur, ou même qui croit qu'au son miracle de Dieu, on nous dit avec mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Rangez corps et recevez maintenant le deuxième message de cette série qui a pour thème « Vivre un amour qui porte des fruits ». Dans le dernier message, j'ai parlé de premier fruit, hein, le fruit de l'esprit, l'essentiel, le fruit fondamental, c'était l'amour. Je dis, hein, nous allons aborder l'autre fruit de l'amour, tout ça nous allons après, ce sont des fruits de l'amour. Nous aborderons aujourd'hui la joie. C'est l'un des fruits de l'amour. Et nous avons le même texte qui nous servira de support. Laissez-moi lire pour vous dans Galates 5, les versets 22 et 23. L'apôtre Paul dit ceci. « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. » Et nous disons amen à cela, sœurs et frères bien-aimés. Je dis en tout, avant que nous considérions ce fruit de l'amour, la joie, en nous garder qui fruit, qu'on mange, qu'on habitue avec lui, qui marche avec la joie, qui portait un pile joie, l'on mange. Par contre, on saurait ce qu'on est fruit qui est le kiwi. Kiwi, c'est un fruit qui a une peau marron clair. Ce fruit a une forme ovale. On peut manger le cru, ou capable de faire jus avec lui, ou capable d'ajouter le tout à des produits crus.
Le kiwi, on peut l'utiliser également pour assaisonner et garnir des plats de nourriture. C'est dans le pays que relait la Chine qui ont découvert le fruit ça qui relait kiwi. C'est au début du 21e siècle, gagné un ensemble de missionnaires qui sortit en Chine avec fruit ça et qui entrait avec dans Nouvelle-Zélande. Leur arrivée en Nouvelle-Zélande, c'est là qu'ils relaient le kiwi. Non kiwi, c'est d'après un petit oiseau qui pas volé dans le pays Nouvelle-Zélande. C'est non petit oiseau ça qui reprend et vous fait fruit et porter non. Bien que kiwi a li sorti en Chine et le passé dans Nouvelle-Zélande, li capable pousser en pile l'autre côté sous la terre. Plusieurs pays, plusieurs régions peuvent produire le kiwi depuis ou gain un climat qui constamment fait chaud. Kiwi sont plantes qui remet soleil, li remet pousser sous mu qui frappé par soleil là. Bienfait kiwi a assez intéressant car les spécialistes nous disent que quand nous mangeons deux kiwis une heure de temps avant d'aller nous coucher, eh bien cela aidera à prendre sommeil plus vite. Le kiwi, le manger avant de dormir, il permet de dormir plus profondément, ou sentir bien reposé, ou sentir refait le réveiller le matin. Donc, autant qu'on est capable, manger une à deux kiwis une heure de temps avant d'aller au lit, cela apportera beaucoup de joie à votre âme. Revenons au fruit de l'esprit, l'un des fruits de l'amour, la joie. Dans Galates 5, versets 22 et 23, l'apôtre Paul présente ce fruit de l'amour que nous appelons la joie. Depuis qu'il est, qu'est-ce qu'on content? Qui dernière fois où vive fruit ça qui relaie la joie? Mais invitez-vous, font-ils faire mes yeux? Et puis, pensez à un moment qui était agréable pour vous. Un moment qu'on était vivant, qui était fait cœur content. Peut-être, au gros mot, nous remet en pile, qu'on grand pile ton patrouet. Et puis, subitement, son pas t'attendre ou rencontrer le sentiment qui est traversé au là. C'est de la joie. Imaginez, on s'en met un cadeau qui vous est fleur pour vous, sans ses pattes, anniversaire. Sentiment qui est traversé, la émotion qui est vive là, c'est encore de la joie. Réfléchis à une promotion que vous avez travaillé, une augmentation, vous avez augmenté le salaire de 50%, vous avez doublé le salaire. Feeling ça qui est vive là, c'est la joie. Le dictionnaire. Dictionnaire.com il définit comme ça le simple mot la joie. Il dit que la joie, c'est une émotion, c'est l'émotion d'un grand plaisir ou de joie causée par quelque chose d'exceptionnellement bon ou satisfaisant. La joie est définie comme un vif plaisir, une exaltation. Il y a une autre définition de la joie qui dit que la joie est une source ou cause de vif plaisir ou bonheur. Quelque chose ou quelqu'un qui est très estimé ou apprécié. Mesdames, Messieurs, chers et frères, amis internautes, candidats pour le ciel, membres de la Sainte Famille Céleste, toute définition de la joie, yo tout montré que la joie est tout simplement quelque chose d'agréable. C'est quelque chose de merveilleux. Moi, je souhaitais vraiment qu'on vive fruit de l'esprit ça, qu'on ait la joie dans le cœur aujourd'hui. Mais ce qui attire notre attention pourtant, c'est que joie qui vient dans le monde là, est totalement différente de la joie que Paul présentait là, joie que nous sommes capables de joindre dans Jésus. Bon, piquet. Joie qu'on gagne dans le monde là, c'est vrai le fait qu'on est content, oui, mais c'est une joie temporaire. Ou quand on a la joie pour regarder un bel match de football et qui pour gagner un match là. Mais joie ça, il peut le passer pita, il peut le passer demain parce que le problème n'est pas fini.
joie qu'on gagne l'on mange un bon petit manger qui goût qu'on remet joie ça malheureusement n'est pas durer plus que journée. Mais la Bible nous montre sur Zéphir bien-aimé que la joie que Paul présente ici en Galates 5, la joie que nous avons en Jésus, cette joie dépasse le moment. Cette joie n'est pas temporaire. La joie de Jésus reste en nous, peu importe le temps, peu importe les circonstances. La joie de Jésus est éternelle. La joie de Jésus n'est pas temporaire parce que cette joie ne reste pas uniquement à la surface. Mais joie que Jésus baille là, les en dans nous, les dans cœur nous, les remplit nous, car c'est l'Esprit de Jésus qui apporte cette joie en nous. Et c'est justement pourquoi, c'est en parlant à cette joie qui est éternelle, qui est en nous, la joie de Jésus, c'est en parlant de cette joie justement que Jésus a dit ceci à ses disciples. Dans Jean 15, verset 11, écoutez Jésus parler, il leur a dit, « Je vous ai dit cela, afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. » D'autres versions disent, « Afin que votre joie soit complète. » Oui, mesdames, messieurs, amis internautes, joie que Jésus baille là, c'est une joie parfaite, c'est une joie complète, c'est une joie durable. Mais invitons à expérimenter la joie de Jésus, car cette joie est enracinée profondément en nous. Cette joie éclaire nos journées. Cette joie nous permet d'adopter une attitude joyeuse malgré les pépins, malgré les soucis, malgré les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. La joie de Jésus nous permet de rendre heureux ceux et celles qui nous côtoient. Quand nous avons dans le cœur la joie de Jésus, nous restons contents, nous restons heureux malgré les défis auxquels nous sommes confrontés. Oui, sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, membres de la Sainte Famille Céleste, quand c'est Jésus qui nous donne sa joie, lui remplit cœur nous avec joie ça. Quand nous vivons la joie de Jésus, nous restons positifs, nous sommes remplis d'encouragement pour nous et pour les autres. Zamim kaptandim. Moi invite à expérimenter joie Jésus après elle est totalement différente de la joie que le monde peut donner et spécialistes yo dit les spécialistes en sciences du développement yo fait un pile étude qui montrait que le cœur content l'or joyeux l'or apprendre riche l'or de temps en temps stress diminué dans la vie ou. Lorsque joie Jésus a dans le cœur, il diminue la tristesse que l'anxiété porte au prince, porte la caillou. Quand tu as la joie de Jésus, ou vis bien face à peur que ville a baille aujourd'hui. Les experts en santé mentale, y a le plus loin encore, ils ont dit que si vous sentez stressé, si vous sentez angoissé, on seul bagarre au besoin fait, planifier un moment côté à bien activité amusante, activité joyeuse, côté au pral ri. Et pour pral ouais, fin ri, depuis qu'on commence content, toute anxiété, tout stress disparaît. Oui, la joie, les belles capacités pour nous rebondir, le nous stresser. La joie, ils sont bons médicaments pour combattre plusieurs formes de maladies, surtout les maladies qu'on appelle maladies psychosomatiques. La joie nous permet de résoudre pas mal de nos problèmes de santé. La joie nous permet de vivre sans stress, de vivre heureux à la gloire de Dieu. Et c'est justement pourquoi Salomon a pu dire dans Proverbe 17 et au verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » La servante du Seigneur, Ellen White, va dans le même sens
Et il donne ce conseil à ceux et celles qui veulent garder une attitude positive, ceux et celles qui veulent être joyeux, ceux qui veulent recevoir maintenant dans leur cœur la joie de Jésus. La servante parle ainsi et dit, sous son apparence de simplicité, le foyer peut toujours être un endroit où des paroles gaies sont prononcées et où des actes de bonté sont accomplis, où la courtoisie et l'amour sont des hôtes permanents. Partout où l'amour de Dieu est cultivé dans l'âme, il y aura de la paix, de la lumière et de la joie. Fin de citation. J'ai lu pour vous dans Foyer chrétien, pages 17 et 18. Frère Maxime, amis internautes, ou même qui attendez messages ça aujourd'hui, hein? Seigneur, voyez en question pour vous. Pour qui ça au triste? Qui ça qui stresse aujourd'hui? Qui ça qui angoisse aujourd'hui? Pourquoi tu as une mine renfrognée? Papa qui dans cela voyez me dit, oh, plus au triste, plus ça ira mal, plus au angoissé, plus problème yo a pe multiplié. Papa voyez me dit, oh, li pa meto sou terre pour triste toute journée. Li pa meto sou terre pour décourager tout temps. Seigneur, vous me dites aujourd'hui hein, qu'il est le Dieu de la joie. Il fait tout pour que tu sois heureux. Il veut que tu souris aujourd'hui. Papa, vous me dites, leur sourire ou plus belle. Leur sourire ou en meilleure santé, ou en meilleure mine, ou à vivre plus longtemps à la gloire de Dieu. Moi, je connais un mime. Qu'on ait un paquet de raisons pour triste aujourd'hui. Hein. Surtout, ou même qu'à vivre en Haïti. Moi connais au gon bonne raison jodi pour angoisser. Moi connais qu'au gon paquet raison qui contrarie aujourd'hui ou pas heureux, pas gai que content. Mais Seigneur voye me dire qu'un cœur joyeux est un bon remède. Au lieu triste, au lieu angoissé, cherchez cantique dans hymne louange. Cherchez cantique dans chant d'espérance. Louez non bon Dieu plutôt. Faites qu'on content avec bon Dieu là. Chantez des cantiques de louange. Adorez bon Dieu. Pensez à un miracle, à un merveille qu'il fait dans la vie. Faites qu'on content. Ou vive puis bien. Bon petite parole que J.A. c'est la jeunesse adventiste. Bon petite parole que Rémy dit. En fait, il chante le même. Dans petit couplet cantique mais Rémy comme ça. Li fait sens dans la vie, li aide m vinn pi bien, li fait m rete en bonne santé, li bon yon attitude positive. N ta remon partager la avec ou, n ta remon adopter l. Le J.A. a chanté ou dit, quoi qu'il arrive, j'ai toujours le sourire. Je prends ma vie toujours du bon côté, car je sais bien qu'il peut m'arriver pire et ça suffit pour me mettre en gaieté. Par contre, quelle situation a traversé aujourd'hui hein? Mais Seigneur, vous avez besoin de monde qui pis mal passe. Grand monde qui t'a remis en place. Par contre, soit vivre dans moment ça. Mais papa, vous avez besoin, il y a un plan pour famille, il y a un plan pour timounio, il y a un plan pour madame, il y a un plan pour Mario. Quel que soit problème qu'a traversé aujourd'hui hein? Seigneur, vous avez besoin, c'est l'ennemi qui a problème ça pour le contrario, pour malade, pour triste, pour mourir puis bonheur. Papa dit aujourd'hui, choisis la joie plutôt, que y fouille la joie, réjouis avec madame, réjouis avec petitou, réjouis avec Mario, et m'bon garantie, quand la joie retourne dans Kaila, l'Esprit Saint a vint la Kayoto. Quand la joie vint dans Kaila, les anges de Dieu apporteront les bénédictions du ciel, et nom va béni à la gloire de Dieu. Mais t'as aimé prier pour aujourd'hui encore, pour que bon Dieu chasse tristesse qu'a ravagé ou là. La peine ça qu'a pas fini ou là. T'as aimé prier pour Kounian, pour choisir pour joyeux, en tout temps et en toutes circonstances, car vous et moi savons que avenir nous pas sous compte nous. Nous pas tristes, nous pas découragés, parce que c'est pas nous qui solution problème nous yo. D'après t'es joyeux et confiant,
quand il y a un Dieu qui planifie mon existence, il y a un Dieu qui planifie pour toi, et si continue à faire confiance, la bénion, la délivre dans son yéa, la prend tristesse soi, la bonne la joie durable, la joie éternelle, et très bientôt pour elle dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Souvlez la joie Jésus, fais mes yeux qu'on y a, on nous fait merveilleuses expériences, on nous prie bon Dieu, pour mettre la joie dans le cœur nous. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu prends soin de tes enfants. Tu n'es pas un Dieu éloigné. Tu n'es pas un Dieu qui tourne le dos à ta création. Tu n'es pas un Dieu qui ne t'occupe pas de tes enfants. Mais nous sommes contents, heureux de constater que tu veilles sur nous. Tu prends soin de nous. Tu as un plan pour chacune de nos vies. C'est toi qui nous parles. C'est toi qui nous rassures pour nous dire, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tendre Père, l'ennemi nous plonge dans la tristesse. L'ennemi nous rend angoissés. L'ennemi multiplie les problèmes sur nos pas. Nous avons une mine renfrognée quand nous ne voyons pas la solution à nos problèmes. Mais aujourd'hui, tu nous invites à tourner les regards vers toi et à recevoir cette joie que toi seul peux donner. Maintenant, ô tendre Père, passe dans nos foyers, visite chacune de nos familles. Pour l'amour de ton Saint-Nom, transforme nos tristesses en joie. Pour l'amour de ton Saint-Nom, transforme nos problèmes en solutions et aide-nous à avoir les regards constamment tournés sur toi. Aide-nous à nous abandonner totalement entre tes mains, sachant que tu apportes la joie à ceux et celles qui espèrent en toi. Écoute notre prière. Exauce-nous du haut de ton ciel de gloire. Bénis ceux qui reçoivent ce message. Permets qu'ils vivent la joie de Jésus. Permets que nous recevions chacun un miracle de toi. Et qu'à la fin de cette semaine, et pendant cette nouvelle année, et au début de ce mois de février, que chacun de nous puisse témoigner et dire, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Aide-nous à vivre dans la joie, en attendant de recevoir la joie éternelle qui nous est réservée dans le ciel et sur la nouvelle terre. Entends, pardonne, exauce, bénis et délivre ton peuple, rends-nous joyeux, car nous t'en supplions au nom de Jésus, à lui seul soit la gloire, la puissance et l'honneur, dès avant tous les temps, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Merci de nous avoir reçus chez vous. Vivez dans la joie. C'est pour cueillir, je vous dis, ce fruit de l'esprit. Quittez bon Dieu, dirigez la vie, car il change nos tristesses en joie à la gloire de son Saint-Nom. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur vous bénisse.